Premier jour à la campagne. Je suis en train de décharger la voiture. J'ai pris beaucoup d'haltères et beaucoup de fonte finalement pour pouvoir m'entraîner ici. Rien que ça, c'est de l'entraînement déjà. Ouais, c'est pas la bonne vie ça. T'as les petits chiens, t'as les animaux, t'as la montagne. Ça, c'est vraiment la belle vie quoi. Ça va être tellement mieux de s'entraîner ici. Allez, chiens. Tu comprends? Regardez, j'ai pris pas mal de choses. Mon pote avait déjà quelques barres. Mais en fonte, on est vraiment bien. Il y a les barres de traction, il y a barre olympique, il y a plein d'autres haltères, il y a plein d'autres trucs. Donc l'entraînement, il va être sans salle, mais avec du matériel. Faut pas rayer la voiture quand je fais marche arrière. Elle s'est déjà un peu rayée, là. Regarde. T'as vu que ça rayait un peu? Dommage, hein. Comment on l'éteint? Je vais dire à toute la France que tu t'appelles Liam Neeson de merde. Lui, il s'appelle Morphalus. Parce que quand il était petit, il arrêtait pas de manger. Liam Neeson, parce que j'étais vraiment à fond dans Tekken quand je l'ai eu. Ouais, c'est pour ça. Et comme c'est un chat qui miaule toute la journée, mon pote, il l'a appelé Liam Neeson de merde. Voilà, du coup, c'est mon premier jour ici. Moi, je me suis installé dans le grenier chez mon pote. Voilà, j'ai une petite chambre sympathique, quoi. Le nécessaire, quoi. Quelques bouquins pour le soir. Là, j'ai mis tout mon espace de travail. Hein, ainsi que mes chaussures. Et du coup voilà, ce que je vais faire ici pendant, je pense, 6-8 mois, c'est faire du sport, bien sûr, écrire. Pourquoi je suis ici, c'est pour écrire ça, mon film, ça, finir d'écrire ma série, hein, si je suis à l'épisode 4, il y en a 6, et bien sûr écrire ma vidéo sur Beethoven. Bon, c'est pas mal de travail, donc je pense que ça va me prendre 6-8 mois à faire tout ça. Je reviendrai sur Paris très souvent parce que j'ai plein de choses à faire sur Paris, que ce soit les tournages, que ce soit les rendez-vous, etc. Mais là, franchement... Je peux pas mentir, je suis trop bien ici, quoi. C'est le paradis, regardez-moi ça. Les petits chiens qui sautent. Attends, je respire, là. Et je vais pouvoir faire une petite séance de sport. Je vais pas la filmer parce qu'elle va être trop ridicule. Il faut d'abord que je vous montre où j'en suis physiquement. Ça fait depuis 3 semaines que je sais que je vais partir. Je me suis entraîné tout le temps, mes 5 séances par semaine, tout le temps. Mais par contre, niveau de la diète, j'ai fait de la grosse merde. Donc je vais vous montrer où j'en suis aujourd'hui. Et on verra où j'en serai dans un mois. Avec l'alimentation que je vais suivre et le nouvel entraînement que je vais suivre. Mais c'est marrant parce que quand on y pense, Sangoku, il vivait à la campagne. C'est un vrai Saiyan. C'est un mec qui vit à la campagne, qui s'entraîne avec ce qu'il peut. J'espère que bientôt je pourrai me balader dans les arbres. Donc voilà, c'est pas catastrophique. Ça va partir assez vite, toute cette couche de gras. Là, j'ai de quoi faire. Je vais faire une petite séance biceps, épaules, tranquillement, juste ça, histoire de me remettre dedans. Maintenant que je suis ici et que je suis posé, je vais faire énormément de vidéos sur la chaîne. Il y aura vraiment de tout, je vais tout vous montrer, vraiment le quotidien, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Moi j'ai énormément de choses à vous montrer, j'ai hâte de vous les montrer, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que la suite va vous plaire. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez m'aider, vous mettez juste un petit like sur la vidéo. À la prochaine. Là j'ai dû mettre des gants 2 fois 2 kilos, parce que là j'ai combien là? J'ai 2, 4, 6, 8, 16, ça fait que 18 kilos, tu vois. Moi, là, quand je m'entraîne dans une salle, en général, je soulève des 26 kilos. Donc, je crois que j'ai mis les gants. Je te parle à toi.